Par voie de conséquence, un nombre important d'aéronefs équipés de ce système effectueront des vols dans l'espace aérien européen. TCAS signifie Traffic Alert and Collision Avoidance System. Cet équipement embarqué assure une fonction d'anti-abordage. Le TCAS fait partie d'une famille d'équipements embarqués d'anti-abordage connue sous le nom d'ACAS et qui fonctionne indépendamment des services du contrôle du trafic aérien. Le TCAS 1 fournit uniquement des avis de trafic ou TA, alors que le TCAS 2, en plus de cette information, et lorsque la sécurité se dégrade, propose une manœuvre d'évitement dans le plan vertical appelé RA pour Resolution Advisory. Nous allons présenter les principes fondamentaux du TCAS 2 dans sa version actuelle, rendue obligatoire par la FAA et connue sous le nom de version 6.0. Suite aux résultats de l'évaluation opérationnelle en cours, une nouvelle version, appelée 6.04, est en cours de développement. Elle sera mise en service opérationnel courant 1994. Notre objectif et d'informer les personnels chargés du contrôle du trafic. Une antenne omnidirectionnelle ou directionnelle sur la partie inférieure. Dans le poste de pilotage, le boîtier de commande du transpondeur inclut les fonctions TCAS 2. Quant à la présentation visuelle des informations TCAS 2, elle varie en fonction de la configuration du poste de pilotage. Pour les aéronefs équipés d'un variomètre analogique, le variomètre est remplacé par un écran plat à cristaux liquides. Les informations TCAS 2 sont alors ajoutées à l'indication de vitesse verticale. Dans le cas des aéronefs équipés d'écrans EFIS, les informations TCAS 2 sont rajoutées aux fonctions existantes. Dans les deux configurations, le TCAS ne communique pas avec le contrôle du trafic aérien. Il reste une aide en vol pour l'équipage. Un système audio fournit des alarmes vocales qui viennent renforcer les présentations visuelles. Le fonctionnement du système est le suivant. Premièrement, il définit une zone de collision tridimensionnelle autour de l'aéronef. Le volume de cette zone augmente en fonction de l'altitude. Il est important de comprendre que le TCAS 2 ne protège pas simplement d'un abordage. Il évite surtout qu'un aéronef ne pénètre dans cette zone de collision. Pour assurer cette fonction, il interroge toutes les secondes les aéronefs équipés de transpondeurs. Lorsqu'il reçoit une réponse, le système calcule les vitesses de rapprochement dans le plan horizontal et dans le plan vertical. Lorsque sa prédiction de trajectoire montre qu'un autre aéronef va pénétrer dans la zone de collision, le TCAS 2 ajoute une zone d'avertissement, puis une zone d'alarme dont les dimensions sont adaptées en fonction de l'imminence du danger. En effet, la protection est déterminée non pas en fonction de la distance entre les aéronefs, mais en fonction du temps nécessaire pour pénétrer dans la zone de collision. En conséquence, la protection varie en fonction de la géométrie de la rencontre et de la vitesse de rapprochement des aéronefs. Les limites de la zone d'avertissement se situent approximativement entre 40 et 45 secondes avant la pénétration de la zone de collision. Les limites de la zone d'alarme se situent quant à elles entre 20 et 25 secondes. Lorsque l'autre aéronef continue comme prévu et pénètre dans la zone d'avertissement, le TCAS 2 le désigne comme un intrus et génère un avis de trafic ou TA. Une alarme vocale informe le pilote. Traffic, traffic.
Examinons maintenant les informations présentées à l'équipage. Dans le principe, la présentation sur écran EFIS ou sur variomètre à cristaux liquides est identique. Le symbole, centré dans la partie inférieure, représente l'aéronef équipé TICAS 2. Dans cet exemple, la distance maximale est de 6 000 nautiques sur l'avant, 2,5 000 nautiques sur l'arrière et 4 000 nautiques sur les côtés. Le cercle a pour rayon 2 000 nautiques. Un intrus peut être représenté de diverses manières. Normalement, c'est un cercle ombre plein situé au gisement et à la distance mesurée. Lorsque l'information d'altitude mode C est disponible, le système rajoute une étiquette indiquant la distance verticale entre les aéronefs en centaines de pieds. Si l'étiquette est sous le symbole, alors l'intrus est plus bas. Le signe plus ou moins confirme cette indication. L'étiquette change de position si l'intrus croise l'altitude de l'aéronef équipé TICAS. Si l'aéronef intrus monte ou descend à une vitesse supérieure à 500 pieds par minute, une flèche de tendance est affichée à côté du symbole. La vie de trafic est présentée à l'équipage pour l'assister dans la recherche visuelle de l'intrus et le préparer à un possible avis de résolution. Il est important de souligner que des manœuvres d'évitement basées uniquement sur les informations fournies par un avis de trafic ne sont pas autorisées. Si la recherche visuelle ne permet pas de localiser l'intrus et si ce dernier pénètre dans la zone d'alarme, le TICAS 2 génère un avis de résolution ou RA. Il existe deux types de RA. Un avis de résolution correctif propose au pilote une manœuvre d'évitement dans le plan vertical. Un avis de résolution préventif indique une plage de vitesse verticale à éviter. Dans les deux cas, le symbole de l'intrus présenté au pilote se transforme en un carré rouge. Climb, crossing, climb. Climb, crossing, climb. Dans le cas d'un avis correctif, le pilote doit rapidement et sûrement effectuer une manœuvre avec une accélération de 0,25 g pour positionner l'aiguille du variomètre à l'extérieur de la zone rouge et plus précisément dans la zone verte. Dans la plupart des cas, cette manœuvre ne sera pas perçue par les passagers ou l'équipage de cabine. Le système peut analyser des situations de trafic complexes et fournir au pilote un avis qui l'amène à croiser l'altitude de l'intrus. Cette situation peut sembler étrange pour le pilote ou le contrôleur. La voix synthétique du TICAS 2 annonce « Climb, crossing, climb. Climb, crossing, climb. » Monitor vertical speed. Lors d'un avis préventif, le pilote doit simplement conserver l'aiguille du variomètre hors de la zone rouge. Comme la vitesse verticale actuelle est parfaitement acceptable, il n'y a pas de zone verte. Lorsqu'il n'y a plus de risque pour l'intrus de pénétrer dans la zone de collision, le système annonce au pilote. Clear of conflict. Le pilote doit alors retourner rapidement et sûrement vers sa trajectoire de vol assignée. Lorsqu'un avis de résolution est en cours, la géométrie de la rencontre est analysée en permanence et la manœuvre d'évitement peut être transformée en increase descent. Increase descent. Demandant une augmentation du taux de descente vers 2500 pieds par minute après un premier avis à descendre à 1500 pieds par minute. Climb, climb now. Demandant au pilote d'inverser le sens de la manœuvre après un premier avis à descendre. Analysons une situation typique du fonctionnement opérationnel du TICAS 2. En croisière ou FL200, le TICAS 2 signale un intrus et génère un avis de trafic. Traffic, traffic.
Le commandant de bord observe l'écran de visualisation et débute une recherche visuelle. Le copilote observe également l'écran de visualisation et confirme oralement la distance, le gisement et l'altitude relative de l'intrus, puis participe à la recherche visuelle. La recherche visuelle n'aboutit pas et le TCAS 2 génère un avis de résolution. Climb, climb, climb. Le commandant de bord effectue alors une manœuvre à 0,25G pour sortir l'aiguille du variomètre de la zone rouge et la positionner sur la zone verte. Le copilote continue la recherche visuelle et surveille la position de l'intrus sur l'écran de visualisation. Il vérifie également que le commandant de bord suit correctement l'avis de résolution. La manœuvre a évité la collision potentielle. Clear of conflict. Le commandant de bord retourne rapidement et sûrement vers sa trajectoire de vol assignée. Maintenant que vous êtes familier avec le fonctionnement nominal du TCAS 2, voici quelques informations complémentaires. Pendant un avis de trafic ou un avis de résolution, l'écran de visualisation indique la position de l'intrus, mais également celle des autres trafics avoisinants. Cela permet au pilote d'avoir une meilleure vue d'ensemble lorsqu'une manœuvre d'évitement est nécessaire. Tout aéronef situé à une distance de 6000 nautiques à moins de 1200 pieds verticalement est désigné comme trafic proche. Il est visualisé, en plus de l'intrus, sous la forme d'un losange bleu avec une étiquette. Les autres aéronefs situés dans la couverture du TCAS 2 et à moins de 2700 pieds verticalement sont désignés comme « autres trafics » et sont représentés par le contour bleu d'un losange avec une étiquette. Si le système surveille plusieurs aéronefs au cours d'un avis de trafic ou d'un avis de résolution, seuls les intrus et les trafics proches sont visualisés. À une hauteur inférieure à 500 pieds au-dessus du sol, le système ne fournit plus d'avis de résolution, mais uniquement des avis de trafic. Le nombre d'avis de résolution qui se sont produits durant l'évaluation opérationnelle du TCAS aux États-Unis doit être réduit de façon significative par la mise en place de la nouvelle version 6.04 de la logique TCAS 2. La déviation requise pour résoudre un conflit dans le plan vertical doit être relativement faible, normalement entre 200 et 500 pieds. Si l'intrus est également équipé de TCAS, les systèmes communiquent pour s'assurer que les manœuvres d'évitement sont complémentaires. Une fois de plus, examinons les principales fonctions de ces systèmes d'anti-abordage embarqué. Le TCAS 2 détecte les aéronefs équipés de transpondeurs, prédit leur trajectoire, fournit une alarme en cas de danger potentiel. Il suggère alors une manœuvre d'évitement. Premièrement, le TCAS 2 définit une zone de collision tridimensionnelle autour de l'aéronef. Le volume de cette zone augmente en fonction de l'altitude. Le TCAS 2 effectue une prédiction de la trajectoire de vol des intrus potentiels pour éviter qu'ils ne pénètrent dans cette zone de collision. Autour de cette zone de collision, le TCAS 2 ajoute d'abord une zone d'avertissement, puis une zone d'alarme. La forme et la taille de ces zones sont fonction du profil de vol de l'intrus. Le système calcule le temps nécessaire pour pénétrer dans la zone de collision et non la distance. La protection varie donc en fonction de la géométrie et de la position de l'aéronef intrus. Dès qu'un intrus pénètre dans la zone d'avertissement, qui est située entre 40 et 45 secondes avant la zone de collision, le système génère un avis de trafic ou TA pour le pilote. À la limite de la zone d'alarme, entre 20 et 25 secondes avant la zone de collision, le système génère un avis de résolution ou RA.
La vie de trafic est présentée à l'équipage pour l'assister dans la recherche visuelle de l'intrus et des manœuvres d'évitement basées uniquement sur les informations fournies par un TA ne sont pas autorisées. Si la recherche visuelle de l'intrus n'aboutit pas et si l'intrus continue sur sa trajectoire et pénètre dans la zone d'alarme, l'avis de résolution fourni au pilote sera soit correctif, soit préventif. Un avis de résolution correctif propose au pilote une manœuvre d'évitement dans le plan vertical et un avis de résolution préventif indique une plage de vitesse verticale à éviter. Le système peut analyser des situations de trafic complexes et fournir au pilote un avis impliquant de manœuvrer en croisant l'altitude de l'aéronef intrus. L'annonce orale confirmera cette manœuvre. Climb, crossing, climb. Climb, crossing, climb. Lors d'un avis préventif, monitor vertical speed. Monitor vertical speed. Le pilote doit simplement conserver l'aiguille du variomètre hors de la zone rouge. Comme la vitesse verticale actuelle est parfaitement acceptable, il n'y a pas de zone verte. Lorsqu'il n'y a plus de risque pour l'intrus de pénétrer dans la zone de collision, le système informe le pilote. Clear of conflict. Le pilote retourne alors rapidement et sûrement vers sa trajectoire de vol assignée et informe l'ATC dès que possible. Les informations fournies par les systèmes d'anti-abordage embarqués sont prévues pour aider les pilotes à assurer la sécurité du vol. Elles facilitent la recherche et l'acquisition visuelle des trafics en conflit, mais elles ne doivent pas empêcher les pilotes de juger au mieux de la situation et de choisir, de leur propre autorité, la meilleure ligne de conduite pour résoudre un conflit de circulation. Les manœuvres basées seulement sur les avis de trafic ne sont pas autorisées. Dans le cas d'un avis de résolution, la modification de la trajectoire de vol doit être limitée au minimum nécessaire pour satisfaire l'avis de résolution. Aucune manœuvre ne doit être effectuée dans la direction opposée à celle de l'avis de résolution. À nouveau, il faut préciser que les systèmes ACAS sont là pour agir comme un filet de sauvegarde dans le cas où, pour une raison quelconque, la séparation légale n'est plus garantie. Il est prévu que la formation des personnels chargés du contrôle du trafic aérien comporte l'étude des capacités de l'ACAS. Il est important de comprendre que le système est capable de poursuivre plus d'un aéronef. Il peut générer un avis de résolution pour garantir une séparation avec plus d'un intrus. Il est essentiel que les contrôleurs du trafic aérien reçoivent une formation détaillée sur le fonctionnement de l'ACAS et notamment son impact potentiel sur leur méthode de travail. Au minimum, cette formation doit comporter une présentation des paramètres utilisés par l'ACAS 2 pour générer les avis et assurer la séparation verticale. La formation doit aussi présenter les moyens de visualisation dont disposent les pilotes et les informations affichées. La connaissance des procédures suivies par les pilotes en réponse à un avis ACAS est indispensable. À l'aube du 21e siècle, la mise en service de systèmes d'anti-abordage embarqué ACAS renforcera la sécurité dans le domaine de la navigation aérienne. KLM 145, turn left heading 350.